Bonsoir à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cet avant-match entre Antibes et Lille. Nos Sharks ils vont jouer maintenant dans 14 minutes pour cette dernière de l'année à l'Azur Arena, cette dernière de 2022. Et on est avec le président des Sharks, Freddy Tachny. Bonsoir Freddy. Bonsoir, bonsoir à tous et tous. Alors Freddy, dernière de l'année ici à l'Azur Arena, ça a été une belle année hein, avec des playoffs en fin de saison dernière. Et là des Sharks qui sont à 7 victoires et qui sont dans le top 5 du classement. Bon, j'imagine que l'objectif dans le premier temps c'est de retrouver la victoire ce soir pour bien finir l'année et réenchaîner 2023 de la même manière. L'attitude. L'objectif c'est l'attitude, se battre et encore se battre. C'est ça que le public veut, c'est ce que je veux, c'est avoir une équipe qui en veut. Nous avons pris une petite leçon, voilà, c'est comme ça. Franchement, Saint-Quentin était supérieur au niveau de cette envie et de cette façon de se battre. Et moi, je veux que ce soit ça, notre ADN. Et je crois, voilà, on a eu beaucoup de discussions, le coach a eu beaucoup de discussions, on a eu des discussions avec le coach, etc. On sent l'équipe, elle a envie, elle sait jouer au basket. Elle peut se développer de manière agressive et c'est ça l'objectif, c'est d'être vraiment agressif, de se battre sur tous les ballons et de tirer des enseignements de ces échecs. Alors on a connu un échec, et bien à nous de faire en sorte qu'on grandit. Hein. On ne fera pas, on ne fait pas Rome en un jour. Je l'ai annoncé, je souhaite qu'on aille en Pro A, mais ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on le fera, c'est parce qu'on joue de manière agressive qu'on le fera. Et c'est ce que j'attends aujourd'hui, c'est cette agressivité, cette envie et cette fin de ballon. On va voir ça. En tout cas, merci beaucoup Freddy et bon match. On va voir ces Sharks pour une victoire, on l'espère, pour cette dernière de l'année. Bien sûr, et j'en profite pour souhaiter vraiment de bonnes fêtes à tous nos supporters. Et voilà, on est en train de construire tous ensemble quelque chose de très beau. Et voilà, que ces fêtes soient les plus belles en famille. Et surtout, soyons tous heureux, peace and love. Merci Freddy et bon match. Merci. On va suivre dans quelques instants l'entrée des joueurs qui sont juste là. Vous les voyez derrière moi, Thibaut va vous les montrer. Thibaut, filme. Tu peux filmer les joueurs. Thibaut vous montre à l'instant, voilà, on est sur les derniers préparatifs, on filme un petit peu, on est en train de s'essayer au lancer franc pour Xavier Pollard et pour tous nos Sharks. On espère que les Sharks vont remporter une dernière victoire en 2022, il n'y a pas de raison en tout cas. On rappelle au niveau du classement que Lille a une seule victoire de moins que les Sharks, hein, ils sont juste derrière nous au classement. Donc on est à 7 victoires, pour Antibes et Lille est à 6 victoires juste en dessous. Donc c'est un gros match hein, à l'Azur Arena pour finir cette année 2022. Vous allez voir, Thibaut va rentrer avec les joueurs dans le vestiaire. On voit Tim Derksen qui arrive et qui rentrera dans le vestiaire avec tous les joueurs dans le tunnel. Pardon. Je vais laisser Thibaut aller avec les joueurs dans le tunnel pour voilà, leur communion un petit peu d'avant rentrée de match et pour que vous assistiez voilà, à la rentrée des joueurs mais de l'autre côté du décor, dans l'envers du décor, à l'intérieur du tunnel. Et moi je vous récupère juste après à la sortie pour vivre cet avant-match tous ensemble avant de récupérer la LNBTV et François Passion le commentaire pour ce match. Je vous retrouve dans quelques instants, je vais laisser Thibaut aller avec les joueurs dans le tunnel pour que vous puissiez vivre cette entrée de l'intérieur. A tout à l'heure. Le numéro 12, Marc-Olivier Lasserre, le numéro 13, Essom Villers, le numéro 20, Luc Louaki, le numéro 42, Karl Ponsard, le numéro 6, Gaëtan Méniel, le numéro 11, Yann Philippe, le numéro 17, Lorenzo Tiroir, Samson.
Vous venez de le vivre à l'instant, la rentrée de nos joueurs des Sharks d'Antibes. Ce soir, c'est un match particulier, hein. C'est le match de Noël. Donc, en lien avec le Secours Populaire, tous les joueurs des deux équipes ont des cadeaux qu'ils vont remettre pour le Secours Populaire français en lien avec la LNB. Les Sharks, j'ai retrouvé Thibaut. Il est là, Thibaut. Oh, attention, excuse-moi. On l'a vécu en direct. Vous avez vu que c'est pas enregistré, c'est en direct. On l'a vécu. Thibaut va plutôt filmer le jeu, hein, plutôt que moi, vu que c'est quand même la... C'est quand même la priorité. Vous voyez nos Sharks à l'entraînement. Et donc, on le rappelle, hein, dans 5 minutes, le match qui commence sur la LNB TV. Thibaut, tu peux filmer les Sharks plutôt que moi. Vous avez vu, Gédéon Pitard dans le 5 majeur ce soir. Un nouveau 5 préparé par Dan Gotals. On verra le coach. Ce que le coach nous a préparé ce soir avec Gédéon dans le 5 majeur. On va vous laisser basculer tranquillement sur la LNB TV et le match avec François Paturo qui va, je pense, prendre l'antenne d'un moment à l'autre. On se retrouve, nous, après le match, vous en avez l'habitude, pour la Sharks Conf. Vous aurez quelques minutes après, vous comptez une petite demi-heure après le match et vous aurez la Sharks Conf avec les réactions d'un de nos joueurs et de notre coach Dan Gotals sur Sharks TV, la Sharks Conf que vous aurez juste après le match. Et quant à nous, et bien après on va vous souhaiter de bonnes fêtes, vu que les Sharks vont faire une petite pause à domicile tout du moins, puisque Antibes jouera le 27 décembre prochain à Vichy-Clermont. Et ensuite une petite trêve et on se retrouvera tous début janvier avec le premier match à l'Azur Arena vendredi 13 janvier. Ce sera contre Denain. On vous souhaite de très bonnes fêtes sur Sharks TV. On vous laisse rejoindre la LNB TV et François Paturle pour le match entre Antibes et Lille. Et on espère forcément une victoire des Sharks. Allez, bonne soirée à tous et go Sharks!